Du coup, je lui fais ok, mais alors là, il va falloir qu'on redescende, j'ai pas de cash sur moi et tout. Il me fait non, pas de soucis. Il te demande combien? 80 balles. Ça va. Enfin, ça fait chier parce que c'est 80 balles. Ouais, voilà, j'aurais pu ne pas les payer. T'aurais mais de ne pas dépenser du mais tout. Mais pas de soucis. Mais au moins, tu t'en sors pas trop mal. Exactement, ouais, je me dis 80 balles, je me dis qu'il me fait ce petit tarif. Ouais, parce qu'il aurait pu te faire facturer à bien bon, 300 balles d'intervention. Je me dis, allez, c'est pas grave. Ouais. Et, mais il me dit du cash et j'ai pas de cash. Donc, je récupère la carte bleue dans l'appart et je lui dis, descendons ensemble. Je vais retirer tout de suite. Il y a la tirette en bas. Voilà. Je suis commencé à être hyper en retard. Non, là, je lui dis, il faut que je prévienne le date parce que là, j'ai une heure de retard. Une demi-heure, une heure de retard. Et donc, avant de claquer la porte, le mec me fait la petite blague. Il dit, ça va, vous oubliez pas votre clé. Ah bah oui, nous. Oh, il t'a oublié la clé. Non, c'est pas ça. Putain. Ah ouais, parce que là, c'est un problème. Non, au fond, moi, je suis genre, non, j'ose même pas dire au mec, ouais. Ah bah tu sais, la clé, j'avais jamais oublié. Mais bon, bref. Donc, on part, on claque et tout. Je suis vraiment en retard. Je déboule les escaliers et le mec me suit derrière. Donc, tu sais, vraiment, je descends speed. Là je me dis, c'est un peu la merde. Et j'en profite aussi pour envoyer un texto au date. Le gars, il est arrivé au bar ou... Non, pas encore. Il allait bientôt. Mais là, il fallait vraiment que je prévienne avant qu'il arrive. Et du coup, je suis dans les escaliers, là j'arrive au quatrième, je descends. D'un coup, j'entends un énorme bruit. Vraiment, genre un énorme bruit. Dans l'escalier? Dans l'escalier, derrière moi. Ouais. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Et là, genre, je me tourne, je vois le serrurier, genre, glisser, tomber, par-dessus la rambarde, et suspendu dans les airs, genre, à bras le cœur. Le mec s'est passé par-dessus la rambarde et s'est rattrapé? Ouais. Mais il a sauté par-dessus la rambarde? Non, il a dû tomber, il a dû faire un truc. Et là, je regarde la scène. Et le mec était suspendu comme ça en l'air? Suspendu en l'air, et là, je me dis. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je sauve le mec. Genre, mais bon, il fait le double de mon poids. Ah ouais? Je me vois des. Enfin, je sais pas. Et là, je me dis. Ah, parce que là, t'es toute seule, il y a que toi. Je suis toute seule et je me fais putain, qu'est-ce que je vais faire?